Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Borderlands. On va toujours dans la version GOTY mais améliorée, on va dire. On va continuer les quêtes. Il y en a un paquet ici. Lâcher les vents. Et d'accord. Très bien. J'ai pensé à autre chose personnellement. Mais bon, tuer des Rax. Ah, c'est chiant ça. Ok. Tuer des Rax. Ça me chatouille un peu de partout, je suis désolé. Frein éolienne retiré, d'accord. Ça va être vraiment dans la zone d'éolienne. Dans laquelle on était tout à l'heure. Et ici, des cristaux. La Lost Cave. Lost Cave, ça me rappelle carrément Subnautica. Parce que je pense qu'il y avait quelque chose qui s'appelait la Lost Cave déjà dans le jeu. Hein. Bref. Ok, je les retirer à la main ou je peux tirer dessus pour les... Non, sérieusement? Les mecs. Ok. Y'a des racks qui volent? Non. Waouh. C'était pas prévu. Toujours faire attention à où vous allez quand vous faites une marche arrière. Hein. Je sais pas si je suis censé y aller comme ça, hein, mais... Oh, pourquoi? Ah merde. Ah bah, je suis coincé. C'est pas grave. Donnez-moi de l'XP. Va se la mettre, y'a pas de soucis. Continuez. À venir. Alors, on brûle? Il y en a un sur moi. Wouh, level up. Je le vois pas à l'autre. Comme s'il était sous terre. On réessaye. Il est pas sous terre. Et je suis pas très d'accord avec ce qu'il vient de faire. Ok, on continue. C'est quoi exactement tuer quelqu'un au corps à corps augmente les dégâts de corps à corps, c'est ça? Non, tuer quelqu'un augmente considérablement les dégâts de corps à corps. Ok. Et ben l'escalier, j'imagine. Ouais, voilà. Pour faire simple. Y'a un mec là, on est d'accord. Hein. Ah non. Autant pour moi! Alors, deuxième. Peut-être comme on a clean dans le précédent épisode cet endroit, ils ont pas encore eu le temps de repop. Ce qui est pas si mal finalement. Hein. Le seul souci, c'est que j'ai pas beaucoup de skag à abattre. Non, pas de skag. De. Trucs qui volent. Trax. Ok. Bah les Rax, c'est où? On s'est débuté. C'est plus loin. D'accord, vendu. Moi je les aurais mis dans les éoliennes. Pfff. Ça aurait été rigolo. Non? Je suis tout seul? Bon, très bien, ok. Merci de votre soutien. Likez, partagez, abonnez-vous. Où est ma voiture? Je l'ai garée de l'autre côté du truc, c'est ça? Hein ouais. Ah, bah, je suis coincé. Descends, Brick. Brick, descend. Merci. Hop là. Une grosse baraque. Ok, en fait c'est pas si loin. C'est genre vraiment pas loin du tout d'ailleurs. Et ils sont tous là. Très bien. Deux secondes je sors. Enfin, j'étais pas bon hein. Il y en a au moins un ou deux que j'ai pas eu. Il en reste combien? Aïe. Je vais pas déguerpir. Ah non, déguerpisser oiseau de malheur, d'accord.
Ah là, 2,21 gigawatts. C'est le nom du succès. Ça c'est fait. Très bien. Une bonne quéquette de fête. La suite. On va aller la rendre peut-être, ouais. Ouais, je me doute. Oui. Non. Hop. Voilà. Salut. C'est moi. Hop. Oui. Oui. Il est pas mieux que celui que j'ai. C'est quoi ce bordel? C'est le même. Merde, j'ai pas de chance. Ah, ça c'est intéressant. Produit une vague incendiaire quand il est déchargé. Intéressant. Seulement... est-ce que c'est ce que je veux? Elle est où la Lost Cave? Elle est toujours niveau 15, j'imagine. Difficulté difficile. Elle est niveau 15, je suis niveau 12. Ouais, ça va toujours être difficile. On la fera après. Hop. On va aller faire ça. Fuck it. C'est parti! Une route devant, oui, il y a une route devant. Clé du portail de la mine. Bah d'accord, ouais, c'est le fameux message à la con que j'ai lu dans le précédent épisode. Qui dit que Sledge a leaké maintenant, ouais. Vous avez respawn! Là, je croyais que j'avais un fusil à pompe, autant pour moi. Hein. Je prends cher! Boum! Ça fait pas du bien ça! Je croyais que c'était un Jacobs, mais non. T'es dur toujours. T'es dur un jour, t'es dur toujours. Ah 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 ah, elle était drôle, Marcus! Merci, Marcus! D'accord. Et du coup, est-ce que la boîte elle s'est respawn aussi ou pas? T'aurais pas dû venir ici, tu vas le payer très cher. Allez, viens voir ton vrai père. Non, il y a un mec qui me cause. Il est pas sur le radar. Je vibre. Ok, très bien. Hop là. On va prendre ça. Clé du... aïe, clé du portail de la mine. Hop là. Aïe. Mhm. Hey, t'es prêt à y aller? Toujours, Scooter, toujours. Arid Hills. Ok. Oula. Très bien. Vous cherchez l'arche? Eh non, toujours pareil. C'est pas facile d'être au top avec un équipement dépassé. Veuillez bien améliorer votre... ouh! C'est le niveau supérieur. Ça coûte 6000! Merde! Non? Si, ça coûte 6000. J'ai 18000. J'ai acheté quoi? SMG, c'est pas trop mal. Oula, on va attendre un petit peu. Oula! Olé! Oula! On va passer par là, très bien. Allez, brique. Brique, moi tout ça. Non, c'était nul. Très bien. Brique, brique, pourquoi t'es déjà essoufflé, brique? Ça ne va pas. Merde, je ne voulais surtout pas équiper un autre shield. Plutôt celui-là ou plutôt celui-là, je ne sais plus. Celui-là. Ok, très bien. Ouh. Yes. Nice, les meilleures grenades du monde. Niveau 13, je suis pas encore. Bonjour. Scarg incendiaire brutal. Ouais, je me disais bien que tu m'avais vu. Hein. Alors le vrai problème, c'est qu'il va résister aux... attaques de feu. Merde, ils font le tour. Ils font le tour. Ok, ok, tu veux te la mettre? On va se la mettre.
Il m'a eu. Aïe. Non, je vais pas l'avoir. Finalement, je l'ai eu. Je brûle, non? Je veux brûler. Très bien. Ok, bah je l'ai eu. Autant pour moi! Touché. C'est quoi? C'est violet, ça a des dégâts de corps à corps. C'est donc intéressant. Ok, très bien. Je pensais pas y arriver. Qu'on mette les choses au clair, hein. Je pensais même que j'allais crever. Ou bien que j'allais crever. Pardon, je joue un petit peu trop à Tropico. Le 5, hein, calmez-vous. Ne demandez pas un plétro. Ok, très bien. C'est quoi? Je vais quand même aller voir. Oui, bah alors, de préférence, voilà. Alors, ce flingue est à chier. On met les choses au clair, hein. Un mec qui vient de parler. Oh merde. Lui il était mort. Putain, c'est quoi cet autolock? Il y a une espèce d'autolock à la con sur les... Et le pire c'est que je sens que ça m'aide. C'est ça le pire en fait. C'est pas terrible hein. Ça c'est vraiment ma meilleure arme hein. C'est quoi ça? Et d'ailleurs, je suis déjà full. Oh, je suis déjà full. Faut que j'aille vendre toute cette merde. On a un point à mettre. Et on a bien pu voir qu'en termes de points, le corps à corps, c'était pas suffisant pour l'instant. Ça pète bien les couilles. Ok. Parti. On est passé niveau 13, déjà. On peut mettre ces grenades. On a la transfusion, c'est la vie. 26 000. Niveau 3, niveau 4, niveau 3. Même pas de niveau. Niveau 5, niveau 4. Tu parles, mes armes, elles sont niveau... niveau caca, quoi. Bon, c'est pas grave. Je commence à avoir la bitrude. Mon point. Quand je tue quelqu'un, je fais plus de dégâts encore après. Pourquoi pas? On va essayer ça là-haut, là où il y a les ennemis. Plus je tue de gens au cac, plus je fais de meurtres au cac. Ça me semble pas mal sur le papier quand même. Allez! Et qui reste-t-il? Ah merde, il reste un qui est très très loin. Comment ça je rate? Non, je vais mourir! J'ai pas d'arme à longue distance. C'est là tout le problème. Ok, lui je l'ai eu. Lui il brûle. Ok, faut que je trouve une arme mieux que ça. Non. Ok. On n'est pas dans le caca. Moi je suis un mec curieux. Je pense que si je... Comment ça, ça touche pas? C'est quoi le bordel avec cette arme?
Ok, c'est bon. Lui aussi. Ah, j'ai oublié de l'utiliser. C'est ça. Bah merde. Ils viennent pas. Oh, je suis deg. Ils viennent pas. Oh, les connards. Je savais même pas qu'il y avait un explosif ici. 1400, la résurrection. Ça me coûte la peau du cul. Et sinon, c'est quand que le jeu il me fait pop des armes stylées et pétées, hein? Un peu. Parce que là, le coup du flingue, quand je tire dans la tête du mec, ça marche pas, je me demande où est-ce que part la balle, quoi. Ah. Ah. Bah écoute, on va essayer ça. C'est mieux que rien. Elles vont où mes balles? Genre sérieusement? Allez, je l'ai eu. Eh non, franchement, elles vont où mes balles? Il est encore vivant. Ses armes sont tout sauf précises. On soit bien d'accord. Là, je peux pas monter là-haut, on est d'accord aussi. Très bien. Qu'est-ce qu'il a ton cul? Mais c'est quoi ces armes? Entends-lui toi. T'es effectif 6 mètres! Bon sang, je suis bon! Ouais, j'exagérerai pas tant que ça, moi, à ta place. Hein. Tellement d'armes à vendre. Oh, y'a bien une caisse ou un truc secret dans le coin? Ah ah! Ah ah! Non? Non, bon bah écoute, tant pis. Waouh! Cette région elle est pas drôle! C'est où qu'il faut que j'aille? Ok. Ok. C'est parti! Cette région elle rigole pas, hein. J'espère qu'il est mort. Oui, il est mort. Je me dis que la porte va se fermer. À cette distance, ça va. C'est rigolo. Non, ça va. La porte se ferme pas. L'acide n'était pas prévu. Prenons un petit peu d'eau. Un brutal. Génial. Elle est où ta tête? Aïe. Je manque de munitions. Ok, lui je l'ai eu. Parti dans shotgun 2, nice. Manque de munitions, the fuck. Ici y a quoi? Ouh, du pognon, 155 dollars, nice. Là-bas y a des munitions. C'est moi qui vais te faire couiner, voilà. Ça fait mal, ça. Des munitions. Ouh, fait du bien.
qu'elle est mieux? Apparemment c'est mieux. Oh non, mais qu'est-ce qu'il fout là? Je l'avais pas buté! J'ai pas de grenade, j'ai plus de grenade du tout, d'accord, très bien. C'est un concept. Alors t'es mignon de donner du fric, hein, mais... des grenades, ce serait mieux. Ok. On va pas rentrer là-dedans, ça me semble logique. Une maison, ce serait bête de pouvoir y rentrer, quoi. Ok, c'est bon. Le jeu est dur, hein. Je me rappelais pas qu'il était aussi dur. C'est la catastrophe. Là j'imagine qu'on va tomber sur un boss ou un truc dans le genre. Ah non, c'est une suite. Ouh, merci. Ouh, merci. Et genre au-dessus, y'a pas genre une caisse de munitions? Ah bah, parfait. Ah, le temps où les lootbox, c'était ça. Alors là, vous voyez, je vais devoir virer quelque chose. Sans doute ceci. Parce que les transfusions, ça se vend bien. Là, on a du pognon sur nous. Hein. On a beaucoup de pognon. C'est parti, on y va. La suite. On est bon. Putain, c'est C pour s'accroupir, je cherchais. Au nom de Dieu. Comment je vends? D'accord, c'est entré. Ok, on est bon. Alors avant, on va aller voir s'ils vendent pas un bouclier. Résistance au feu. Oh ouais, ça m'intéresse pas. Votre shotgun, votre revolver, votre répéteur pistol, votre launcher, vos grenades. Ah, grenades. Grenades, c'est nécessaire. Combat rifle aussi. Voilà. Il faut que je puisse. Je vais me recharger en grenade. Ok, je suis full. Très bien. Genre, il y a déjà quelqu'un là? Oui. Ok. Non mais lol. C'est les deux premiers ennemis. Mais lol, c'est les deux premiers ennemis pratiquement du truc. Oh là 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 là, j'en chie! J'en chie! C'est quoi ce bordel? Et mieux que ce que j'ai. Et toujours mieux que ce que j'ai. Ça va me régénérer ma santé en plus, vous voyez? Bon, là c'est parce que j'ai pris un flacon, mais. Ça aide quand même. J'avais quoi à côté de moi? J'avais un... Mon visage! Mes yeux! C'est quoi ce bordel? Comment ça se fait que j'en chie autant?
Je l'ai entendu, le je vais l'exploser, hein. Oh putain. Allez, bouffe! Hop, c'est bon, je l'ai eu. L'autre, il est dans le coin, mais je le vois pas. Oh lolo 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 lolo, si j'avais su que j'allais en chier autant. Ah! Claptrap ? J'ai plus de munitions. Faut que je prenne mon... Il est pas là ? Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il brûle. J'ai pas le choix. Pardon. Quand ils disent mon visage, j'adore. Waouh. Putain, si j'avais su que j'en chierais autant. Dit-il. Ok. Apparemment, il y avait un claptrap juste à côté. J'ai loupé Claptrap à côté ? Il y a même une caisse d'armes là, dis donc. Et oh, 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 je peux pas avoir loupé ça. J'ai pas le droit de louper ça, hein, vu comment j'en chie. Ah, mais je peux pas y aller encore. C'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est la zone, à mon avis, de retour. C'est les portes qui s'ouvrent quand vous revenez. À tous les coups. Très bien. Ou alors, c'est simplement faire un demi-tour dans quelques secondes. Je me disais aussi, c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'ennemis dans le coin. Il tire et se casse la gueule, quoi. Putain, il y en a un autre encore. Tu peux pas nous échapper. Ced, où est-ce qu'il est? Je l'ai eu. Il y a une caisse d'armes. Donnez-moi mieux. Là j'ai des dégâts explosifs, mais bon. Ça, ça va être mieux. Des grenades. Claptrap dans la safe house. Je vais trouver un claptrap objet. Rude. Alors, regardez la carte, comment elle est zoomée d'un coup. Il y avait des armes ici. Les armes de niveau 10. Ça vaut 142. Oh, la carte est ultra zoomée. Aïe aïe aïe. Comment je suis censé... Attendez, j'ai vu la porte. J'ai vu la porte, enfin le passage. Ok. On a de quoi réparer le claptrap. Génial. Ah, c'est Brick qui respire comme ça.
Hop là, c'est bon. Oh, sac à dos plus grand. Oh, ça valait le coup, putain. C'est le symbole de l'arche. Vous vous faites flipper, les mecs. Ils font tellement mal. Moi, je vais remourir. C'est débile. Ça, c'est génial. Waouh. Les dégâts qu'ils m'ont mis. C'est un truc de ouf. Calme-toi, calme-toi, c'est bon, ça va aller. Pauvre Brick. Ok, bon, très bien. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là? Ok, je prends. Oh là là, quand il se passe ça souvent, c'est qu'il va se passer un truc juste après. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'un seul verre. Qu'est-ce qui se vend le moins cher? 142, 337, 397. Pas les couilles. Pas grave. Pas grave, pas grave. On y va et on prie pour survivre. Ah, au suivant. Et merde. J'ai pas envie d'être là-dedans. Je l'entends mais je ne le vois pas. Lui il est mouru. Là il y a des munitions. C'est pas ultra rentable. Ah, le tour par le haut quand même. Il va y avoir un truc au bout. Ah bah oui c'est la suite. Non? Si? 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 Encore plus de munitions. Très bien. Je dis pas non. Et ensuite ça va être l'arène je présume. Bon on a un point à mettre. On en profite. Même si j'ai pas l'impression que ce soit ultra efficace. Ok, très bien. Ça fait mal celle-là. Et celle-là va faire encore plus mal. Très bien. Je ne dis pas non à plus de souffrance pour mes ennemis, hein. Jamais. Ça ressemble pas du tout à une arène. Oh putain. Ok, très bien. Regardez le nombre de points de vie que j'ai. Regardez comment il bute ses alliés. Ce mode, cet ultime ne va pas me servir à grand chose.
Il a des grenades sur lui. Je sais pas si je peux me servir de ça pour le bloquer. Allez, je comprends qu'il ait des grenades sur lui, il les tire. Il est juste derrière, ouais. Et cède. Oh oh. Putain, je suis plein. Celui-là est censé faire plus de dégâts que celui que j'ai. Hein. Oh là 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 là. Clé du portail de la mine, d'accord, c'était les clés. Tu devrais pouvoir pénétrer dans la mine à présent. Ah oui, je veux pénétrer dans la mine. Et nous serons bientôt plus près que jamais de trouver l'arche. J'ai foi. Ok. Oui, bah moi aussi j'ai foi en moi, mais bon. Faut pas exagérer non plus, j'arrive pas à buter le moindre pélos. Il y a un trou dans le mur. D'accord. Ok, débile. Oh, t'as pas moi. C'est quoi, c'est des transfusions? Explosive à sous-munition, ça vaut de l'argent tout ça, c'est du bleu. Bon, j'en chie niveau pex, hein. niveau dégâts et niveau kill fait, j'en chie énormément. Je pensais pas en chier autant. Qu'est-ce que je suis censé faire? Est-ce que je vais peut-être aller farmer en œuvre des armes ou autre, je sais pas. Faire des kills quoi, essayer de faire des kills et d'aller trouver des armes, mais ça me ferait de l'XP, ça me ferait plein de choses en fait. Et après si le jeu devient trop facile, c'est débile. Peut-être que je devrais pas farmer. Quoi? Ah. Ah, enfin un shotgun. Je voulais pas tomber. J'ai entendu, mais je le vois pas. Ok, j'ai pris masse dégâts. Ok, j'en ai tué deux. Lui apparemment il est mort. Lui il veut pas, parce que c'est un brutal. Tout simplement. C'est un brutal. Tu vas pas me faire bouillir encore une fois. J'ai du bol, en plus je tombe sur plein de brutaux. Mon visage, mes yeux. Nico. Ouh. On peut pas choper l'arme, elle est passée dans le sol. C'est pas grave. Vache. Non, c'est parce que je suis plein que je pouvais pas la choper. Plutôt. Ah non, pas une trousse de soins, c'est pour les petites bites. Hop. Ah, je l'ai pas équipé le kit d'optimisation de stockage. Ah, quel con. Avancez si vous avez besoin de soins. Ok, très bien. J'ai tout vendu sinon ? Oui, j'ai tout vendu, très bien. Non, pas vendu ça. Oui, d'accord. Très bien. On a toujours besoin d'une trousse de secours.
Très bien, bon bah écoutez, pourquoi pas. On n'est pas trop... Est-ce que je peux me téléporter ailleurs? Non. Comme d'hab. J'aimerais bien pouvoir me téléporter genre à la maison. Mais non. Mais non. Il nous a été rapporté que vous avez engagé une action belliqueuse contre certains autochtones après avoir été payé pour éliminer un de leurs chefs. Ce type d'activité de mercenaires menace la stabilité de cette région. Vous avez été averti. Toute forme d'agitation insurrectionnelle sera sévèrement punie. Cessez immédiatement toute action illégale et rendez-vous tant que c'est encore possible. J'ai pas vu ce que c'était que j'ai chopé. Ah ouais, vous voulez me tuer, j'ai bien compris. Non, va-t'en, sérieusement, va-t'en. Voilà. T'as cherché. T'as gagné. Il y en a un derrière moi. Je le vois pas. Ok, très bien. Ok. Bon mal les bruiseurs. Hein. Pourquoi pas. Et de rentrer à la base le plus rapidement possible. Tu vas saigner. C'est ça que j'aurais dû faire tout à l'heure en fait. Non, c'était pas là. C'était pas là. Autant pour moi. Je croyais que c'était ici, mais en fait, non. Allez. Oh, on y est presque. Putain, ça respawn là aussi. Et vous voyez, les niveaux 11, maintenant, je les recte. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a un gamin encore. Pas facile de voir le viseur avec cette arme quand c'est dans le noir. Il est où? Ah, il est loin derrière. Ok, c'est bon. Donc un niveau au-dessus c'est dur et un niveau en dessous c'est facile. C'est presque écœurant. Je suis immobilisé par quelque chose dans mon dos, un caillou. Ah, il y avait un putain de tonneau dans le milieu encore. Je croyais l'avoir tiré dessus pour qu'il pète, mais non. Ah, plus de munitions. La mettre. Ah, fuite. Voilà. Petit du hurler comme un gros malade. J'espère que vous avez écouté ce qu'il vient de dire. Dégâts plus 77%, c'est ça qui m'intrigue. Enfin bon, c'est pas grave. On y retourne. Hop. On va y rendre cette quête. C'est marrant, j'avais complètement zappé qu'il fallait les lire dans le premier jeu. Je croyais qu'elles avaient toujours été... Hey, c'est ici qu'elles vivent, les bagnoles. T'en veux une ? Voice acté, on va dire. En route. C'est où qu'il faut que j'aille ? Ah, déjà j'ai des quêtes là-bas, donc on va aller là-bas. Hop. J'avais complètement bien aussi. Il y a aussi ce saut. Aïe, pardon. Pardon pour lui aussi. Ok.
J'ai vite fait regarder sur internet s'il y avait un moyen de résoudre le problème de gauche-droite. Réponse des gens, c'est faire toi de la souris pour conduire. Point barre. Vous croyez que vous avez l'état d'un gladiateur plongé dans l'arène et mettez votre vie en jeu pour le plus grand plaisir des spectateurs et pour le plus grand profit des parieurs. Pour tout renseignement, adressez-vous à Raid Zeiben, directeur de l'événementiel. Cercle de la mort, levez le rideau. D'accord. La légende de Mo et Marley. Tuez Mo et Marley. J'ai entendu des rumeurs sur Mo et Marley, soi-disant deux des pires skags à la surface de Pandore. Je veux exposer leurs crânes sur mon mur, mais je suis trop occupé ici pour aller les traquer. Alors je suis prêt à payer quelqu'un pour aller à leur recherche et les éliminer, d'accord. Avant, trouver tous les composants du sniper rifle. D'accord, ok. Ça va en faire des missions sur la map. Ok, très bien. Eh ben écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir laissé, Marcus Venus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!